Au début des micro-ordinateurs, la machine reine, c'était l'Apple II. Mais à partir de 1983, c'est l'IBM PC et ses clones qui s'imposa. Pendant longtemps, sur l'IBM PC, il n'y eut aucun jeu. Aucun sauf Flight Simulator, un logiciel inventé par Bruce Hartwig et distribué par Microsoft. Ce programme fut un des rares à exister sur les deux machines, l'Apple II et l'IBM PC. Ce n'était pas tout à fait un jeu. Comme son nom l'indique en anglais, Flight Simulator était un simulateur de vol. Une expérience zen, dépouillée, planante, une drogue pour les passionnés, une expérience extrêmement rasoir pour les autres. Au total, le jeu fut un tel succès qu'on en est aujourd'hui à la version 5.1, en attendant celle qui tirera parti de Windows 95.